Wago topa gefasa. 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 Wago topa losa. Wago topa japsa. Wago topa pinsa. Wago topa losa. Wago topa japsa. Wago topa pinsa. Gabati son paque. Le soleil y gola. Je noisis à gala, tchoum, tchoum. Que petit son vaque, le soleil est gola. Je noisis à gala, d'iguala. D'iguala, eh, d'iguala, eh, d'iguala, eh. La chum jume, la chum jume, la chum jume, la chum jume. Selon ta volonté, et c'est grâce à toi que c'est toi qui nous a permis d'être là. Seigneur Jésus, une fois de plus, nous te remercions de d'avoir fait à ce que cette fête s'est passée dans le calme, dans la continuité. Malgré le fait que la pluie est tombée, nous ne nous fâchons pas contre toi, mais nous le prenons comme une grâce. Seigneur Jésus, une fois de plus, tu es bon et tu es grand. Nous aimerons que, Seigneur, tu puisses faire à ce que cette fête se déroule dans les bonnes conditions. Nous aimerons, Seigneur, que tu puisses nous guider, apprécier nos repas, mais poser la main sur notre repas que nous avons fait et que tous ceux qui sont ici puissent les consommer dans ta dignité. Et c'est parce que c'est grâce, c'est toi qui les as permis de faire ce repas. Seigneur Jésus, une fois de plus, nous n'allons pas te remercier sans toutefois remercier la Vierge Marie qui de fait que intercéder pour nous auprès de toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. La gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme dans le commencement, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur Jésus, bénis ce repas. Bénis ceux qui l'ont consommé et bénis ceux qui l'ont préparé et bénis ceux qui vont les consommer. Fais descendre sur eux la grâce de ton Esprit Saint. Toi qui vis et règne dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Au nom de comme la poule porte comme ça porte bonheur. Don't send me any love.
Nous sommes les autochtones. C'est mieux, comme on a tout le monde là devant. Mais lui, il n'a pas. Il a fait du mal à ma fille. Oh,
bonjour. Pourquoi? Alors, tu vas vous dire. Alors,
tu vas nous envoyer. Pourquoi tu ne sais pas? Tu me nommes. Oh, on t'a dit, on m'a 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 in the firm book. What thing in the firm book ever? Bon, bon, je vois. Mais ça, c'est un peu plus grand que mon bon, bon, n'abo. Bon, 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 non, je ne sais pas. Je me suis dit, je me suis dit, Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Mes impressions sont très bonnes, mais excusez-moi, je vais en tant que traditionnaliste aller en langue ngema.
déjà la langue que je prône en tant que chef de communauté. Je suis un peu plus jeune. 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 Je suis vraiment content de vous voir. Je suis un peu plus jeune. 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 Je suis un Vous pouvez vous faire un peu de temps. Vous pouvez vous faire un peu de temps. Vous pouvez vous faire un peu de temps. Vos impressions sur cette cérémonie qui a marqué la pose de la première pierre par Sa Majesté, chef supérieur de Bangoum. Je peux dire que c'est une grande première. Pour que le chef supérieur se déplace comme il l'a fait, pour assister à telle cérémonie, vraiment il faut dire que monsieur, comme vous voyez, c'est un assemblage. Un assemblage. Vous voyez, des gens sont ici depuis hier. Les élites économiques, les élites intellectuelles, les élites traditionnelles. Alors, je peux seulement dire qu'il ne peut aller que de là. Madame la présidente. Parce que nous comptons que d'ici un an, nous allons venir, comme le chef a dit, plutôt pour inaugurer, pour couper plutôt le ruban d'inauguration de ce foyer. Merci beaucoup. Voilà, soyez la bienvenue. Vous avez assisté aux cérémonies depuis le début, malgré la pluie qui nous a empêchés, mais nous avons atteint nos objectifs. Quelles sont vos impressions? Vous présentez, vous donnez vos impressions. Je suis très fier. Et je dis d'abord merci à Dieu. C'est le seul patron. Nous sommes aujourd'hui grâce au papa. Alors qu'on ne pensait pas. Je dis merci à Dieu. Et je dis merci beaucoup chez les gens qui habitent Limbé. Que Dieu leur bénisse. Merci. Président de Grand Mifi de Moutenguene. Monsieur le Président, quelles sont vos impressions depuis le début de cette cérémonie? Non, mes impressions sont très bonnes parce que chaque fois qu'on parle de la culture, il s'agit des choses comme ceci. Parce que quand nous sommes dans le sud-ouest et nous nous comportons comme des étrangers, ça ne vaut pas la peine. Mais quand nous nous installons comme ceux qui viennent pour ne pas repartir, en montant des œuvres, comme le foyer que la famille Bamboué est en train de mettre en place, ça devait être extrêmement encourageant. Et ça rentre en droite ligne dans ce que le pays recommande. Ça veut dire que l'intégration, on est fils du pays, n'importe où on se trouve. Et on devrait à chaque fois encourager ceux qui vont dans ce sens. Une fois de plus, j'encourage et je félicite personnellement la famille Bamboué dans le fait. Vraiment pour cette cérémonie, je suis très satisfait. L'organisation m'a d'abord beaucoup marqué. Vu l'ampleur du monde qui sont arrivés, tout l'ensemble a été content. La réception a été impeccable. Tous ceux qu'on a invités, ils ont répondu présent. Je suis très content de la cérémonie. Merci. Merci. Comme nous sommes aux soirées déjà de la fête. Mes impressions, je ne peux pas vous cacher, comme venait de dire le président Gérald Bamboué. Je remercie la réunion, cette cérémonie. C'est une cérémonie qui sera gravée dans la mémoire de tous les ressortissants Bamboué du Fakou. Parce que ce n'est pas facile pour une cérémonie comme celle-ci, pour la pose de la première pierre du foyer Bamboué, qui se manifeste par la présence du roi, Sa Majesté, Fousseau Kankoja. Donc nous tous, les fils Bamboué du Fakou, nous sommes tous contents. Et je me réjouis une fois de plus, une première fois où, dans ce département.
un comité est mis en place et que je suis pour la première fois présent du comité de développement, je remercie tous les ressortissants bambous, tous les frères et sœurs pour leur contribution pour cette cérémonie. Et qu'ensemble, comme venait de dire l'autre fois, nous devions travailler dans l'harmonie, dans l'entente pour pouvoir bâtir ce foyer. Que dans les années à venir, qu'on puisse avoir quelque chose d'exemplaire et qui nous ressemble. Merci. Oui, je vous remercie pour m'avoir passé cette parole. Ce que je veux signaler, c'est qu'il faut les hommes pour construire le monde. Et d'après comment la vie présente, on constate que les merveilles voudraient qu'on travaille et que l'impossible est possible. L'impossible est possible. Et avec cet événement qui va marquer l'image de notre village, ça fait un blason et place l'image de notre village au piédestal. Je vous remercie. Très bon, très bon. Très bon, je peux encore dormir aujourd'hui mieux que par le passé. Avec tous les invités que nous avons eus aujourd'hui, vraiment, ça nous va droit au cœur. Car moi particulièrement, en tant que secrétaire de la Réunion, je suis présent dans la cellule. J'ai eu tous les invités dans mon quartier, chez moi. J'ai reçu beaucoup de gens chez moi. Avec aussi Sa Majesté, ça nous va droit au cœur. Nous avons passé beaucoup de temps sans dormir, plus de 2 mois. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, tout va bien. Tout va très bien, d'autant plus que la pluie voulait même nous empêcher de faire notre cérémonie. Mais Dieu nous a permis d'aller jusqu'à terme. Je suis très ravi. Je vais dormir aujourd'hui, je vais encore bien dormir avec la communauté qui sont derrière moi. Nous vous disons merci à toute l'assistance, merci à tous nos invités, merci à Sa Majesté. Merci. Merci, mille fois merci. Oui, je peux vous dire que mon intervention va tout droit au cœur, du fond de mon cœur, de par les initiatives prises par M. Ndé Christophe, notre père qui nous a abrités depuis si longtemps. Il nous a fait donner les idées d'acquérir le site, d'avoir une idée de construire, et aujourd'hui, nous sommes à la première fois, celle de prétendre réaliser. Beaucoup de choses sont déjà mises en œuvre et nous allons suivre. Comme l'a dit Sa Majesté, le chef dit et il maintient sa parole. Il reviendra dormir dans ce site et dans un appartement très bien fait, comme il a promis. Par la grâce de Dieu, tous nos efforts sont convergés et nous attendons la réussite. Ça, nous sommes convaincus, d'autant plus convaincus parce que ça va aboutir. Merci. Il loue l'initiative de notre chef de famille qui a eu l'idée de nous regrouper pour faire un foyer à Mougou, à Limbé, du FACO. Je voudrais ici également remercier les frères qui ont pris à cœur ce projet. Parce que vous savez, quand un projet naît, ce n'est pas tout le monde qui adhère. Et lorsque les gens discutent, il y a parfois des choses que les gens ne doivent pas dire. Donc je remercie vraiment le chef de famille, je remercie les invités, je remercie tout le monde pour avoir tenu pour que ce projet ait eu lieu aujourd'hui. Je passe par là pour adresser des félicitations à notre chef de famille, aux gens de Douala, aux gens de Bafoussam, aux gens de Yaoundé qui nous ont donné un grand coup de cœur. Grâce à eux, nous allons démarrer notre foyer dans un très prochain temps. Je vous remercie. Sa Majesté, Fosso Kankojak, le chef supérieur Bamengo. Sa Majesté, Chinda Joseph, le chef supérieur Babi. Sa Majesté, Jomo Kamga Honoré, le chef supérieur Banjo. Sa Majesté, Chinda Jean de Dieu, le chef supérieur Bansoa. Sa Majesté, Chitango Pépéli, le chef supérieur Bafoussa. Sa Majesté, Dan de Fon Jean-Marie, le chef supérieur Bamendjida. Monsieur Tenye Claude, à Ebolova. Monsieur Maurice Kamsa, Team de Fermier Peuple, référence précise. Papa Sofone Daniel, 10 au bout.
Monsieur signé Petit Jean. On a fait